j'aime la peinture, la sculpture, la photographie et la mode que je sers dans mon quotidien depuis plusieurs années. J'ai rencontré Sergio il y a quelques années chez un ami cher qui s'appelle Serge. Et on s'est perdu de vue parce que Sergio était toujours entre deux avions, entre l'Espagne, la France. Mais j'avais eu un vrai coup de cœur amical pour lui. Et quelques années plus tard, j'ai eu un nouveau coup de cœur pour Sergio à Ronda en tant que peintre. Et on s'est retrouvés. Je suis allée le voir dans son atelier. J'ai découvert son travail. Donc j'avais eu un aperçu. Il y a une rencontre qu'on a avec l'art. Des choses qui vous parlent, des choses qui ne vous parlent pas. Et là, ça m'a tout de suite évoqué des choses. Et il avait fait des peintures comme ça, dans ses bleus. Et je lui ai parlé de ce que j'aimais dans son travail. Et là, il m'a proposé une commande. Il m'a dit, écoute, je vais te faire dans le format que tu veux, avec les couleurs que tu veux, la matière que tu veux. Et bien sûr, l'artiste a ensuite fait le reste, mais il avait quand même... C'était comme un privilège pour moi de passer commande. Et j'étais très excitée entre le moment où il y a eu cette commande et la réalisation. Qu'est-ce qu'il allait faire, puisqu'il le faisait pour moi. Et je me suis sentie vraiment comme des grands commanditaires de peinture, d'artistes. Et on veut quelque chose, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et quand il m'a montré le résultat, j'étais très touchée parce que c'était plus beau que ce que j'avais imaginé. Et son travail m'a fait penser à Soulage, que j'aime énormément, mais un Soulage de la couleur. Dans la peinture de Soulage, ce que j'aime beaucoup, c'est la texture et l'effet de la lumière sur ces toiles. Et on retrouve ça beaucoup dans le travail de Sergio Aranda.